fragile, ému, parce que ça nous concerne et il s'agit de quelque chose qu'on a vécu nous-mêmes. Mais après, à force de jouer, rejouer la pièce, de s'entraîner, de réfléchir, de prendre un peu plus de recul, plus de distance, bah, au bout d'un moment, ça facilite les choses et on arrive à s'amuser un peu plus. On arrive à se détacher, ouais, à se débarrasser de toutes ces mauvaises choses qu'on portait en nous, je dirais, et à nous, enfin, à nous en sortir, à nous révéler nous-mêmes. Il y a également la reprise de confiance en soi. C'est la première chose qu'on perd, justement. Ouais. Se retrouver, en fait. Pas se retrouver par rapport à celle qu'on a été, mais se retrouver à une nouvelle personne. Ça donne naissance à une nouvelle personne, tout simplement. Certes, c'est difficile. De faire le pas, de franchir le pas, mais ça reste difficile comme toute autre chose dans la vie. Les efforts sont les mêmes, un peu plus peut-être parce que oui, on n'a plus cette confiance en soi, on perd pied parce qu'on ne sait pas à quoi on sera confronté, quel sera le après, mais c'est possible. Bah, on en est la preuve. Parce que quand on est dans la violence, on croit qu'on est seul. Je ne suis pas la seule que j'ai vécu ça ou que j'ai subi ça. Oui, c'est important de le savoir. Il y a des aussi. Autres qu'ils ont fait, mais ils sont sortis quand même. Et ben, j'ai un espoir. Je regarderai ma vie avec fierté. À mes enfants, je ne transmettrai que bonheur et espoir. Un garçon et une fille qui, à leur tour, écriront eux-mêmes leurs propres pages blanches et n'auront pas repris les pages gommées et raturées de nos essais, de nos errements, ni ceux de nos parents. Nous vivrons dans un ranch qui dominera une vallée en Suisse, dont la vue époustouflante me rappellera chaque matin que j'y suis arrivée. Life. 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 Life.